Bon après-midi. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui ensemble avec Monsieur Alain Schmitt, qui est ici en tant que coordinateur au ministère, qui nous a aidé à réorganiser le secteur médical pour nous permettre de traverser la crise de manière optimale. Le 16 mars, avec le début du confinement, bien des choses ont changé dans notre pays. La vie a changé, nos habitudes ont changé, notre travail, tout. Et aussi dans le secteur de la santé, tout a changé. On a des structures qui ont été mises en place qu'on ne connaissait pas avant. Et d'un coup, c'était plus normal d'aller se rendre chez le docteur quand on était malade. Donc, seuls les cas les plus graves devaient être observés. Donc, il fallait réagir en très peu de temps à un virus qu'on ignorait. Il fallait s'apprêter à établir un environnement adéquat pour faire face au virus. Il s'agissait également d'indiquer la propagation du virus suivant la devise « rester à la maison » pour éviter qu'on bouge de trop, qu'on ne sorte uniquement quand c'est important. Et dans cette mesure-là, les activités dans le secteur de la santé ont été ralenties. Avant tout, les capacités dans les hôpitaux ont été augmentées. On s'est rendu disponible pour s'occuper des patients du Covid. Certaines personnes ont changé de service, se sont apprêtées à travailler et à être submergées d'une vague de patients Covid-19. Aujourd'hui, suite aux mesures, l'image est différente. Nous avons une situation qui s'est normalisée dans les hôpitaux. Tout a encore l'air de Covid, mais on a peu de patients, ce qui nous montre que les mesures ont été efficaces. Nous voyons que notre effort constant du personnel médical et de la santé, cet effort a porté ses fruits. Toujours est-il qu'une telle situation ne peut pas perdurer. C'était une mesure d'urgence, je l'ai déjà dit. On a tiré le frein à main pour être rapidement disponible, pour s'organiser différemment. Le tout a également un coût. Dès le départ, on en a été bien conscient. On savait qu'au départ, on ne peut pas anéantir les services de santé. Donc les gens ont besoin de leurs médecins. Il faut qu'il y ait de la médecine préventive. Et maintenant, on est prêt, après beaucoup de discussions avec des personnes sur le terrain, de passer à une phase, la phase suivante. Donc, parallèlement à la préparation parallèlement à une préparation qui va de l'avant. Donc, on a la possibilité de s'occuper de patients, de nombreux patients si nécessaire, mais tout parallèlement, petit à petit, on va s'occuper à faire démarrer les activités normales. Laissez-moi répéter ce qui a changé dans notre environnement. La plupart des choses vont rester telles quelles. Il y a des petits changements qui vont venir. On va toujours avoir les centres de soins avancés qui sont prêts pour accueillir des patients Covid. On va toujours continuer et à l'avenir pouvoir utiliser de plus en plus les téléconsultations. Et ça a montré que c'est bien utile. On a toujours des urgences dentaires, je vais y revenir, elles vont rester aussi. On a les permanences avec les lignes de garde dans les maisons de repos et de soins qui sont très importantes. On va les maintenir durant les semaines à venir, au moins aussi longtemps qu'il nous faut pour avoir le virus, avoir maîtrisé le virus. Dans les hôpitaux, il y aura toujours les filières Covid. Donc la séparation qu'on a mise en place dans les hôpitaux pour avoir des flux bien séparés entre les patients Covid et les autres, donc ces lignes vont être maintenues. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, cette reprise de l'activité médicale? Cela signifie que la majorité, tous les médecins, les libéraux, tant que ceux qui sont employés ou qui sont en médecine sportive ou du travail, ils vont retrouver le chemin vers leurs activités normales. Cela concerne également les dentistes, les vétérinaires, les psychothérapeutes.
et également toutes les professions de la santé qui tombent sous la loi cadre de 1992. Je vais les énumérer parce qu'on avait seulement donné quelques exemples dans le communiqué, mais cela, je les énumère, les infirmières, les masso-kinésithérapeutes, les podologues, les rééducateurs en psychomotricité, les ergophonistes, les ostéopathes, les diététiciens, les ergothérapeutes et les sages-femmes. Il est bien clair pour nous, et vous devez en être bien conscient, que du jour au lendemain, les situations ne changent pas, ne reviennent pas à ce qui était avant. Donc le virus fait partie de notre vie quotidienne et on verra toujours la présence de ces infrastructures exceptionnelles qui sont en place. C'est pour ça que la reprise des activités est vraiment nécessaire. Donc il y a une ordonnance par Dr Schmidt, une ordonnance du 28 avril qui a donc été répartie un peu partout. Donc tout ne va pas revenir à la situation d'avant la crise. Les mesures d'hygiène resteront en place. Vous le remarquerez quand vous irez chez le médecin, vous le remarquerez à l'accueil, de la manière dont les médecins sont habillés. Les mesures de distance seront en place. Concrètement, le premier geste est toujours celui d'appeler, donner un coup de fil à son médecin. Donc, téléconsultation plutôt que d'aller se rendre chez le médecin. Le médecin est le mieux placé pour expliquer à son patient où il doit aller. Téléconsultation dans le cabinet ou alors s'il s'agit d'une urgence, par exemple. Une fois arrivé au cabinet, il y a des règles à respecter. Il faut être ponctuel. Il faut éviter de rester trop longtemps en salle d'attente. Si possible, il faut aller seul, sauf si c'est indispensable qu'on ait une personne qui accompagne. À l'accueil, au cabinet, on fait un premier contrôle pour voir s'il y a des signes qu'un patient pourrait avoir le Covid. Donc il y a un filtrage au niveau de l'accueil. On pourrait peut-être, donc si nécessaire, indiquer l'urgence aux personnes ou alors si nécessaire. Donc et le patient aura également un masque à porter. Il y aura un écran de protection qui sera installé entre le patient et le personnel. Et il est préférable de payer avec la carte bancaire plutôt qu'en liquide. L'hygiène des mains est très importante et il faut l'assurer. Donc ça devient une nécessité que tout le monde peut avoir, être allé au WC, se laver et désinfecter les mains. Donc la salle d'attente va être un peu différente, pas de magazine, pas de bibelot, parce qu'il faut que la salle d'attente soit désinfectée régulièrement. Donc ce sont des mesures, il faut nettoyer, désinfecter tout le temps et aérer tant que possible. D'autres changements, à partir de la semaine prochaine, la filière des centres pour des patients non-Covid va être supprimée. À partir du 4 mai, cette filière n'existera plus. Elle pourra toujours, si nécessaire, être rétablie rapidement. Mais on a vu, sur base du nombre de personnes qui y ont recours, que ce n'est plus vraiment nécessaire et c'est plus cohérent si on dit que les activités normales reprennent. Donc c'est pour ça que les lignes sont prévues pour les patients atteints de symptômes du COVID et qui peuvent ainsi être pris en charge. Les horaires vont être adaptés également sur base du nombre de patients, donc ça peut être allégé facilement. Aujourd'hui, c'est de 8h à 20h. Maintenant, ce sera de 10 à 18h, toujours dans le contexte d'autres structures qui sont toujours prêtes à accueillir des patients comme les urgences si nécessaire. À terme, les maisons médicales rouvriront également leurs portes pour assurer les soins primaires en dehors des maisons de famille. Dr Schmidt vous donnera plus de détails.
Dans une première phase, la ligne des urgences médico-dentaires sera maintenue, même si on va l'alléger. Mais dans une première phase, ça restera. Les patients pourront également aller aux urgences dentaires du CHL, comme c'était le cas avant la crise. Concrètement, pour nos médecins dentistes, on en parlait aujourd'hui, il faut beaucoup de matériel dans cette première phase, donc demain, jeudi. Des fois, je me trompe de temps. Donc, demain, c'est jeudi. Entre 13 et 18 heures, ils peuvent aller dans le hall Victor Hugo pour reprendre leur matériel. Le matériel sera à disposition. Tout le monde pourra s'apprêter, puisque c'est important pour les dentistes d'avoir l'équipement nécessaire. Quelques mots sur les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il y aura aussi le chemin vers la normalité. Il y aura toujours deux filières séparées, je l'ai déjà dit, il ne faut pas avoir peur de se rendre à l'hôpital, il y a des lignes séparées, donc je m'en suis assurée moi-même en faisant des visites aux hôpitaux, ça restera le cas, mais les espaces réservés aux patients Covid vont être diminués pour que les activités peuvent reprendre à géométrie variable. Il faut toujours avoir l'idée en tête que s'il y a une deuxième vague, il faut être rapidement préparé pour activer de nouveaux paliers et revenir au mode tel qu'il a été le cas pendant la première phase de la crise. Voilà de mon côté. Je veux remercier tout le personnel, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. Grand merci pour la collaboration. On a eu beaucoup de réflexions sur tout ça et je suis bien consciente que tout va se passer de manière optimale. Donc, je vais passer la parole au docteur Schmitt pour nous donner son éclairage au niveau médical. Merci, Madame la Ministre. Je vais ajouter quelques éléments. On peut dire que le système de santé dans ce pays a été totalement modifié ces dernières semaines. C'était bien nécessaire. Le virus nous a atteints. En première phase, il était nécessaire de freiner l'évolution. On a réussi au cours des dernières semaines, suite aux mesures prises par le gouvernement et qu'on a implémentées tous ensemble afin d'obtenir le résultat. La question se pose actuellement, c'est pour ça qu'on communique aujourd'hui avec vous, que le fait est que les gens ont eu peur de se rendre chez leur médecin, malgré l'appel qu'on a fait que c'était toujours possible. On avait donc mis sur pied une structure, comme l'a dit Madame Lennert. Il y a eu des lignes de garde, point de vue hospitalier. Mais en dehors de l'hôpital, il y avait aussi des lignes de garde qui existent en particulier encore jusqu'à aujourd'hui pour garantir les soins. Mais on a remarqué que les gens ont des préoccupations, ont des soucis qui ne sont pas vraiment justifiés. On peut pas être que si aujourd'hui on a encore 130 patients hospitalisés, alors qu'il y a des milliers de personnes qui ne sont pas soignées pour le moment. Donc c'est une relation qui n'est plus correcte. Donc c'est pour ça que nous avons tout mis en œuvre et c'est ce qu'on annonce aujourd'hui comme mesure. Donc la situation est cohérente maintenant, donc la visite chez le médecin, que ce soit dans le cabinet ou chez le dentiste ou à l'hôpital, sera rendue aussi sûre que possible. Toutes les mesures vont être mises en œuvre, si bien que la confiance va revenir. Et pour tout un chacun, pour toute personne qui se dit peut-être « j'ai telle et telle maladie, je dois prendre des médicaments », j'ai un certain âge, je me pose des questions concernant ma situation personnelle. Bon, pour ces personnes, donc on comprend leurs questions, elles sont justifiées, mais ces questions peuvent être réglées par leur médecin, par la télé, par les télécommunications,
les consultations, exactement. Et c'est nécessaire, on peut se rendre chez le médecin, au cabinet ou à la polyclinique pour avoir des soins médicaux supplémentaires, toujours en toute sécurité. Je pense que le premier contact est toujours une nouveauté, donc il faut s'y occuper, s'y apprendre à s'y habituer. Il faut vivre avec le virus parce que ça va encore durer des semaines et des mois. C'est pas possible autrement. Il y aura peut-être des modifications de nos habitudes, mais elles sont minimales quand on regarde l'enjeu global. Donc, si on prend contact avec les médecins par téléphone, on peut clarifier un certain nombre d'éléments. Et pour le reste, on peut aller au cabinet, c'est possible, et on peut se rendre aux polycliniques ou dans les hôpitaux. Il est important que les questions, qu'il peut y avoir des réponses aux questions des personnes. Et les mesures, les approches choisies par les hôpitaux persistent. Il y a des équipes de médecins dans les hôpitaux. Il y a de nouvelles équipes. Et ceci afin de pouvoir prendre en charge les patients COVID. Mais bien entendu, il reste une prise en charge de toutes les autres maladies qui doivent être prises en charge. En dehors des hôpitaux, chez les généralistes, une partie va s'occuper toujours des CSA, même si le nombre de personnes qui y passent est en diminution. Il est trop tôt pour arrêter cette activité. Quant aux gardes qui sont assurés par la médecine générale, en général, à partir du mois de mai, nous allons retourner à l'ancien régime. Donc, les médecins de famille vont travailler le soir et pendant le week-end, mais durant la journée, il y aura donc l'accès chez le médecin de famille que les gens ont l'habitude de consulter. Pour ce qui est des maisons de soins, c'est un défi particulier parce que ceci concerne les personnes vulnérables. Donc, on a assuré que les médecins de famille y ont accès et y assurent une présence nécessaire pour pouvoir assurer le suivi des patients. Donc, il y a des sécurités aussi pour ce qui est des équipements. Donc, les maisons de repos sont bien équipées et cela fonctionnera. De mon côté, c'était quelques précisions. Sachez que ce qui est important, c'est le message suivant. Les mesures de sécurité pour la prise en charge de toutes les personnes sont en route. Et il est extrêmement important et nécessaire qu'un patient qui a des symptômes, qu'il n'hésite pas pour prendre les démarches nécessaires. On va s'occuper des personnes qui ont ou auraient le COVID et ce n'est pas pour autant qu'on va laisser pour compte les autres. Donc nous souhaitons nous occuper de tous les patients, c'est notre rôle. Voilà, vos explications sont très claires, si bien que nous avons peu de questions. Première question d'RTL. Question à Madame Lénert. Est-ce qu'il est correct que le médecin, pour assurer leur travail dans les lignes de garde, qui n'ont pas encore été payés jusqu'à ce jour et qu'ils se trouvent en partie dans des difficultés financières. Là, vous me prenez au dépourvu. Je partais du principe que ces gens ont été payés, ils vont être payés. Si jamais il y a des retards administratifs, ça va être réglé de manière rétroactive. Je m'y engage. Deuxième question.
Les rendez-vous qui avaient été pris avant la pandémie sont-ils toujours d'application, même s'ils sont pendant la période du déconfinement, ou est-ce que c'est juste les urgences qui sont prises en compte? C'est une question complexe. On y a réfléchi abondamment. Il y a peut-être des gens qui avaient des rendez-vous. Donc les médecins vont voir si ces rendez-vous doivent être réactivés de manière prioritaire. Il y a peut-être d'autres rendez-vous pour des personnes qui viennent seulement d'avoir des problèmes. Les médecins doivent donc évaluer comment faire. Il faut voir quelles sont les urgences. Et en fonction de ceci, il faut donc donner un rendez-vous aux patients. C'est le travail quotidien de chaque médecin. La situation est peut-être un peu particulière aujourd'hui. Il y a peut-être un bouchon, donc trop de monde qui n'ont pas eu accès aux médecins. Donc c'est ça qui est particulier. C'est un défi à relever. Mais quant à la démarche, il n'y a pas de changement. Ça fait partie de la profession, donc il faut évaluer dans quelle mesure il faut voir le patient avec priorité. Autre question. Quelle est la consigne aux médecins concernant les tests? À partir du 19 mai, on va tester à grande échelle, mais pour le moment, est-ce qu'il y a toujours des restrictions? Est-ce qu'il faut toujours tester quand il y a des symptômes ou est-ce que les médecins décident? Pour le moment, c'est toujours la consigne générale qui compte. Le testing dans ce pays, c'est toujours le testing réactif. Donc, la personne qui a des symptômes reçoit une ordonnance du médecin et peut être testée. Vous parlez d'un certain nombre de projets où les personnes seront contactées, donc ces cluster tests, ou alors les tests grande échelle dans les maisons de soins. Ce sont des projets où on s'adresse aux personnes. Mais à ce stade, on peut pas aller à un endroit particulier, à part les jeunes des classes de première. Donc ici, on a toujours notre stratégie normale. Donc le patient qui a des symptômes est testé via une ordonnance. D'autres questions, hein? Elles arrivent. La suivante du Luxembourgeois Journal. Pour les vétérinaires, est-ce qu'il y a aussi un retour à la normale à partir du 4 mai? La réponse est oui. Question suivante de la radio 100,7. Première question à Madame Lénard. Pour quelles raisons est-ce qu'il y a cette possibilité pour aller chercher du matériel au hall Victor Hugo? Pourquoi c'est uniquement pour les dentistes? C'est le résultat des négociations qu'on a menées, parce que pour la profession dentaire, ils sont très exposés, parce qu'ils travaillent directement à la bouche, près de la bouche du patient. Donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. C'est suite à toutes les négociations qui ont été menées. Vous savez plus? Les dentistes sont exposés à un risque particulier puisqu'en pratiquant les soins dentaires, les particules sont vaporisées. C'est pour ça qu'il est nécessaire, pour exercer cette profession de manière sûre, il faut un matériel particulier. Et ce matériel, on ne peut pas l'acheter tout simplement. C'est pour ça que l'État a fait du travail préliminaire et c'est pour ça que les dentistes ont profité et commencé à retravailler. Sinon, ce ne serait pas possible. Deuxième question de la radio 100,7 au docteur Schmitt. Combien de temps va-t-il durer avant que la situation sera nouveau opérationnelle comme avant. Dans une première phase, on va être très prudent, on va regarder ce qui est possible au niveau des activités. Il faut évaluer ce qui est possible. Il est certain
va pas tout de suite reprendre une activité telle qu'elle était le cas avant la crise. Donc les mesures de précaution qui sont prises maintenant, vous savez, tant qu'on n'a pas un médicament efficace ou un vaccin, il faut respecter les mesures d'hygiène qu'on recommande généralement. D'une part, il y a des restrictions dans la vie quotidienne, dans notre manière de travailler, mais d'autre part, ça représente une sécurité qu'il nous faut pour fonctionner et vivre normalement. Pour autant que, aussi longtemps que le problème du virus n'est pas réglé, on ne peut pas reprendre le mode opératoire comme avant. Je vais ajouter, si vous permettez, que l'organisation des hôpitaux est bien entendu sous la responsabilité de chaque hôpital. Donc l'activité peut être augmentée sous les conditions qui ont été déterminées, mais ce qui est programmé à quel stade, ça va être à l'hôpital même, ensemble avec les équipes, de le déterminer. Donc pour les patients, sachez que c'est le médecin généraliste qui est là pour clarifier les problèmes. Question du Tagblatt à Madame Lennert. Quelle est l'évolution des prix pour les tests Corona? Est-ce que ça veut dire sur le marché? Je suppose que ce sont les prix du marché, oui. Je ne les connais pas par cœur. On en a acheté un certain nombre qui après, dont le prix a augmenté après. Donc c'est un marché très tendu. Et ce sont les produits qui sont rares, bien sûr. Il y a pas mal de fluctuations dans les prix. Je ne peux pas vous livrer une analyse du marché en direct. Et vous ne pouvez pas nous dire où se situe le prix pour un test. Non, je ne peux pas le dire. Pour le grand projet, c'était 4,7 millions pour 500 000 tests, si je me souviens bien de hier, mais je ne connais pas le détail. Deuxième question du Tagblatt. Quelle est l'expérience avec le nouveau CT qui a été utilisé spécialement pour le Covid? Je suis allée dans les hôpitaux, donc les gens m'ont dit sur place qu'ils étaient très contents, ils sont très performants apparemment. Ils ont sauvé des vies, c'est ce qu'on nous a dit, parce que rapidement, sans trop de radiation, ils donnent une belle image. Donc ce n'est pas le virus qu'on reconnaît, mais ce qu'il fait comme dégâts aux poumons. Donc tous les hôpitaux nous ont dit que c'était vraiment une bonne chose d'avoir cet appareil à disposition aussi rapidement. Prochaine question du quotidien à Madame Lennert. Comment explique-t-on que la AMMT a dû faire de la pression officielle pour avoir ce résultat? Alors que le docteur a été employé comme coordinateur. Je ne pense pas que la MMD a fait de la pression. Ils ont donné leur position. Ça aide à un débat. Mais M. Schmitt peut dire qu'il y a une séparation des fonctions. La MMD nous a proposé une personne, donc en la personne du docteur Schmitt. Donc, il y a une claire séparation pendant ce moment qui compte pour eux. Je peux donc confirmer que j'ai mis ma fonction de côté. Je ne me suis pas mêlée dans le quotidien de la MMD. J'ai suivi cette mission à laquelle j'étais nommée ici au ministère et uniquement cette mission. Question suivante du quotidien. Est-ce qu'il y a des chiffres pour voir combien de téléconsultations ont été faites et combien de médecins utilisent cet outil? Ces chiffres existent, mais je ne peux pas vous livrer ici. Il faut que je les demande. Ces chiffres ne sont pas secrets, mais je ne les ai pas. On va les recevoir par la suite alors. Merci.
Aurez-vous des détails sur les maisons médicales? Quand est-ce qu'elles vont ouvrir? Quelle est la situation? Pour le moment, l'idée, c'est que le mode de fonctionnement tel qu'on l'avait, donc un service sur 24 heures, une deuxième ligne de garde pour les médecins de garde de famille, ça va arrêter et on reprendra le fonctionnement d'avant la crise. Donc le relais sera pris par les maisons médicales. Donc maintenant, pendant la journée, il y aura les cabinets des médecins de famille qui fonctionneront normalement. Donc il n'y a plus le même besoin qu'il faut couvrir par une garde. Mais par contre, le soir, le week-end, il y a toujours un besoin qui reste. Et donc on va utiliser l'ancien système. Autre question du journal? Quant aux masques et au matériel, comment garantit-on le ravitaillement des cabinets médicaux? Nous sommes en train ensemble avec le service logistique et les achats que nous avons faits, nous évaluons le tout. Nous sommes en contact avec les personnes qui ont été livrées pour voir quels sont les besoins actuels. Quel matériel est toujours nécessaire? Donc, le service on a été créé rapidement avec beaucoup de bénévoles et maintenant arrive le moment, parce que ça fait quelques semaines que ça existe et on a beaucoup de semaines devant nous, et il est nécessaire de faire une bonne évaluation pour regarder quel est le stock, quels sont les besoins, est-ce qu'il faut toujours intervenir à ce stade? Donc j'avais fait un courrier pour voir s'il y a encore des besoins. Ça ne veut pas dire qu'on ne fournit plus certaines personnes, donc c'est avoir un aperçu des besoins et trouver un moyen de trouver un chemin et d'assurer ce service pendant les semaines et mois à venir. Autre question d'RTL Radio. Est-ce qu'une personne peut être obligée de se mettre en quarantaine? Une personne testée positive ou les personnes qui étaient directement en contact avec la personne infectée? Oui. Pour donner plus d'explications, c'est le modèle tel qu'on l'avait au début. Ça passe par une ordonnance du directeur de la santé. Dans le contexte d'une pandémie, il peut, pour des raisons de santé publique, prendre une telle décision et elle est obligatoire sur base de nos lois dans le domaine de la santé. Deux questions de la Maison moderne. Ont été sollicités par les professionnels de santé indépendants, quel coût cela représente-t-il? Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Donc, envoyez-nous cette question pour qu'on puisse faire des recherches et vous donner une réponse correcte. Je sais à peu près, mais pas avec précision. La prise des cours dès lundi prochain est une bonne mesure du point de vue de la sécurité sanitaire. Je ne suis sûre sur rien. Dans cette situation, un plein d'inconnus, il faut balancer beaucoup de choses. Ce qui est la bonne décision, on ne peut pas le savoir à l'avance. Nous savons tous qu'il est important que les enfants retournent à l'école, que la vie doit continuer, mais dire qu'il y a une sécurité, ça serait prétentieux par les temps qui courent. Dernière question. Ouvert, il semble qu'il y a très peu de visites à Grevenmacher. C'est une question qu'on s'est posée au cours de la semaine parce que les visites ont fortement diminué. Et le jour où on s'est posé la question si on devait le fermer ou pas, là, les chiffres ont augmenté de nouveau, si bien qu'on a décidé que tous les CSA allaient rester puisqu'il y a beaucoup de fluctuations et la situation n'est toujours pas stabilisée pour qu'on puisse tirer une conclusion.
Donc on va un peu limiter les horaires parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc on va terminer à 18h le soir, ça va faciliter l'organisation. Et c'est vrai, dans ce CSA, il y avait pendant un moment moins d'activités, mais on ne peut pas être sûr que ça ne va pas reprendre, si bien qu'on on le garde. Pas d'autres questions ? Je vous remercie donc.